Ferracci. Monsieur Boyard, je pense que j'ai passé dans ma vie professionnelle beaucoup plus de temps que vous au contact des étudiants et en particulier au contact des étudiants étrangers. En tant qu'enseignant-chercheur, en tant que responsable de formation, de licence, de master, je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie, il faut arrêter la démagogie, il faut arrêter de mépriser les étudiants étrangers, les étudiants au sens large, en faisant de leurs problèmes eh bien, un carburant politique. Exactement, pour votre parti. Lorsque vous aurez passé du temps avec un étudiant étranger qui fait partie de votre formation à la préfecture pour résoudre ses problèmes de titre de séjour, parce qu'il risque d'abandonner sa formation, vous pourrez donner des leçons sur les étudiants étrangers. Quand vous aurez passé du temps avec des étudiants qui ont des problèmes de ressources et à qui on permet d'aménager leurs examens, à qui on permet de franchir des paliers et aussi de travailler, parce qu'ils sont demandeurs de travailler aussi, les étudiants, eh bien, je ne réponds pas aux questions qui sont empreintes de démagogie. Je réponds à cette interpellation constante qui fait que vous vous posez comme les défenseurs des étudiants, alors qu'en réalité, il y a ici, et je pense en particulier à ma collègue Anne Brunera, des gens qui connaissent les étudiants, qui connaissent très bien, qui connaissent le monde universitaire et qui le connaissent très bien. Vous donnez des leçons à tout le monde. La réalité, c'est que vous n'êtes nullement en capacité de le faire, Monsieur Boyer.